Bonjour à tous les amis, c'est moi Sulpem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le retour de Steve's New School. Bon là c'est Steven Basics 2 Cursed Glitch. Donc là c'est les glitches corrompus qui sont maudits, voilà. Donc je vous ai déjà montré le premier chapitre, celui-là c'est le deuxième qui est encore plus bizarre. En gros c'est le même jeu, sauf que qu'on peut voir que c'est extrêmement glitché. Voilà, c'est ça le jeu, et du coup, bah, voilà, c'est beaucoup plus stressant, voilà, et là, comme d'habitude, il faut collecter encore les 10 livres, bah, c'est le même objectif, en fait, sauf que c'est un peu plus corrompu, et puis, il y a des fogs et tout, c'est n'importe quoi, à quel point ce jeu, il est complètement glitché. Pour le troisième... Et ça du coup qu'on peut voir qu'il y a des personnages corrompus et tout. Allez, on essaie de collecter les livres. Là je vais tomber là, voilà, c'est bon. J'ai cru que je vais tomber. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, je sais pas pourquoi je dis j'ai cru que j'ai tombé alors que oh non, je suis mort alors que en fait je suis même pas tombé. J'étais déconcentré par les monstres parce qu'ils étaient trop trop chiants. Regardez ça. Ouais, c'est un peu n'importe quoi comme jeu, on peut voir. First Place est là-bas. Oh, je me suis fait pousser. What? Ok. Rust not found 44.exe. Voilà. Le jeu, je découvre avec vous, hein. Bah oui, parce que vous savez pourquoi je dis ça, parce que ça fait longtemps que j'ai fait ce jeu. Là, ce jeu, je l'ai fait depuis le même jour que le premier chapitre. Donc, c'est un jeu que je me rappelle pas plus trop. Mais c'est... À l'époque, j'ai fait ce genre de jeu, là. Genre, à l'époque, je savais pas réellement comment faire des jeux. Et c'était le 2 mars 2021, donc c'était avant que je faisais des vidéos sur YouTube, quand même, hein. Du coup, on peut voir qu'il y avait des écrans Windows, les personnages qui sont mal placés, les personnages corrompus, tout. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Voilà. Et en plus, je vais vous dire un truc, puisque je suis à la mode maintenant de tester les anciens jeux que j'ai fait à l'époque, parce qu'à l'époque, je faisais tellement de jeux qu'ils ont été comme ça, et du coup, ben, c'était... C'était cool de faire ces jeux-là, mais il y a une autre raison pourquoi j'ai quitté Roblox, parce que bah maintenant je peux plus faire de je peux plus faire de jeux sur Roblox sur mon Mac. Du coup bah j'ai obligé de changer de compte, mais le problème c'est pourquoi j'ai créé un autre compte, c'est parce que il fallait faire un truc de authenticator app, tout ça, et une espèce d'application. Oh non, ils ont pris un livre. Oh, putain, pardon. Allez, vous voyez, il est là-bas. Punaise, par contre, la porte, elle me glitch. C'est extrêmement embêtant. Ok. Bon, j'ai dit, oh là là, punaise, ils ont pris le livre. Mais peut-être c'était pas ça. Hein. Peut-être qu'il y avait un autre livre que j'ai oublié de le prendre. Ah non, c'est bon, ils ont pas oublié, c'est bon. J'ai cru, mais bon, ouais, non, c'est pas ça. C'était autre chose. Du coup, là, normalement, il y avait la sortie par ici qu'on peut... Si on collectait les 10 livres, ben, on touchait dans cette sortie-là, mais c'est dans un autre endroit. Ben, voilà. Par contre, il me semble qu'il n'y avait pas de fin secrète. Hein. Il n'y avait pas de fin secrète, si je me rappelle très bien. Non, ici, il n'y en a pas. Du coup, là, il y a un livre, mais normalement, il y avait un deuxième, là, non? Je sais pas, parce que je me souviens plus trop de ce jeu-là. C'était il y a longtemps... Du coup, ah voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, je me suis pas trompé. Yes, je me suis pas trompé. Là, on doit collecter les 10 livres. Ben voilà, c'est bon, on a collecté tous les 10 livres. Perfect, voilà. Parce que parfois, en fait, j'ai corrigé le jeu là. Parce que, en fait, parfois, il y avait des monstres qui prenaient les livres en jeu, de ça, et c'était pas réellement très cool. Du coup, ben, j'ai mis dans les endroits différents les livres, donc voilà. C'est plus facile à battre.
Du coup, on voyait là-bas parce que c'est là pour finir le jeu. Go blablabla. Non, normalement, ça écrit collecter tous les 10. Bah, rentrez par ici si vous avez collecté tous les 10 livres. Et là, on rentre là-bas. Et voilà. Là, on passe là-bas. Et là, il y a le bureau de Baldi. Good job, you made chapter 2 glitchy system game. Chapter 3 coming soon in the next game. Voilà. Là, qu'on peut voir que ça, c'est Baldi. Et le Fall Emblem 2. Voilà. Et bon, là, les amis, bah, c'était le chapitre 2 de Steven Basics. L'autre jeu, là, le Steven New School. Du coup, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Sylvain. Du coup, si vous voulez voir plus de vidéos de Minecraft, de Roblox, de trucs, scrollez-moi les commentaires. Finalement, je pense pas que le premier et le deuxième, il va avoir de montage réellement parce que pas réellement besoin. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine épisode de chapitre 3 de Steven New School. Au revoir!